La gastronomie française est très appréciée des Vietnamiens. Pourtant, les spécialités régionales telles que le tacos français restent un plat méconnu du grand public. Aujourd'hui, Hoàng Ngọc Lân, ancien étudiant de France, décide de goûter son plat favori à Hei Pelo, le premier restaurant de tacos français situé au bord du lac de l'Ouest à Hanoï. Inventé dans les années 2000 en Rhône-Alpes, le tacos est de forme rectangulaire, à mi-chemin entre le kebab, le panini et le burrito, à base de viande, frites et de fromage crémeux. Hei Pelo a ouvert en décembre 2018 grâce aux recettes originales du Lyonnais Julien Sanchez. La propriétaire et chef de cuisine Nguyễn Xuân Hà Phương ajoute certains ingrédients pour satisfaire les locaux. Ici, les clients vietnamiens et étrangers sont libres de choisir la taille, le type de viande, les sauces, les légumes, les accompagnements et les boissons. Entre 120 et 200 clients fréquentent Hei Pelo tous les jours et ce restaurant gère simultanément les ventes sur place et à emporter. Après quelques minutes de préparation, tout est prêt. Traversons cette mystérieuse porte de frigo et voilà, bon appétit. Je trouve que c'est magnifique ici. L'espace et le goût me rappelaient mes souvenirs en France. Et je vais recommander ce resto à mes amis. La prochaine fois, on va ensemble. Hei Pelo, c'est le premier restaurant de French tacos au Vietnam. On a des produits faits maison, tuktuka, sauce, tortilla, falafel, nuggets. Également des produits bio. Nos légumes et nos fruits sont bio. On travaille sur des produits de qualité pour que les clients soient satisfaits, tout simplement. Et pour montrer le meilleur du French tacos au Vietnam. Si vous cherchez un bon endroit pour la restauration rapide, n'hésitez pas à faire un tour chez Hei Pelo pour goûter des tacos originaux et rencontrer d'autres amoureux de la cuisine régionale française.